Bienvenue sur Télé Afrique. Vous êtes à Yamoussoukro et puis là, nous sommes là aujourd'hui pour le match. Voilà, c'est pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc aujourd'hui, vous êtes sur Télé Afrique, vous allez vivre en direct les à côté du match qui va opposer la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, et le Sénégal, le détenteur du trophée actuellement, du titre. Voilà. Donc, vous êtes à Yamoussoukro et puis on va vous faire vivre l'ambiance sur Télé Afrique. Et donc, vous êtes sur Télé Afrique. Nous sommes comme ça à Yamoussoukro. Hein. Tout à l'heure, nous serons au centre-ville. Vous allez voir comment la ville est en ébullition. Voilà, tout est prêt. Hein. Les supporters. La ville de Yamoussoukro superbement habillée aux couleurs du drapeau ivoirien, orange, blanc, vert, et du drapeau de la CAF. Voilà. Donc, vous êtes à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est une très belle rencontre entre les éléphants et les Lions de la Teranga en huitième de finale de cette prestigieuse compétition africaine. Yamoussoukro, cette belle capitale politique de la Côte d'Ivoire, c'est la ville qui abrite beaucoup d'institutions. Vous avez la fondation Félix Houphouët-Boigny. Vous avez aussi l'hôtel des députés, l'hôtel parlementaire, il y a l'hôtel président. Voilà, c'est une ville paisible, une ville résidentielle, une ville verte. Vous avez des arbres partout. Ça, c'est l'hôtel président. Voilà. Donc, vous êtes à Yamoussoukro et tout à l'heure, aux alentours des 20h, il y aura la rencontre qui va opposer les éléphants et les lions de la Teranga en 8e de finale de la CAN 2023. Et nous sommes à Yamoussoukro. Admirez un peu la beauté de cette ville. Voilà, les taxis sont de couleur orange, blanc, vert ici à Yamoussoukro. Vous avez des taxis. Le tarif pour une course d'un point A à un point B, c'est 200 francs CFA. Et puis, c'est une ville qui est située au centre de la Côte d'Ivoire. Donc, vous avez plusieurs cars qui transitent par. C'est un véritable carrefour en fait. Donc, tous ceux qui vont au nord du pays, voilà, transitent par cette ville-là. Si vous partez à Korogo, vous passez forcément par Yamoussoukro. Si vous partez à Boaké, vous passez par Yamoussoukro. Si vous partez à Daloa, Man, voilà. Donc, c'est un véritable carrefour. Voilà. Donc la ville est en ébullition aujourd'hui. Hein. Vous avez des autorités qui sont présentes pour suivre cette rencontre. C'est le football qui rassemble donc tous les partis politiques, que ce soit de l'opposition ou bien les partis au pouvoir, les ambassadeurs, les gloires du football africain. Voilà, tout le monde est là aujourd'hui. Yamoussoukro est chargé. Tout à l'heure, vous allez voir les différents comités des supporters. Vous voyez comment la ville est remplie aujourd'hui.
espère que nous allons vivre une très belle ambiance au cours de 20h heure de Côte d'Ivoire. Voilà, vous avez les supporters qui ont fait le déplacement depuis Abidjan et les autres villes de la Côte d'Ivoire. Donc ça va chauffer ce soir. Comme on le dit, un grand va tomber. Que ce soit le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, qui est le pays organisateur. En tout cas, il y a un qui va tomber ce soir. À 20h, pendant que les autres vont jubiler, mais il y a d'autres qui vont pleurer. Voilà, les supporters, tout le monde est en orange. La fête a commencé. Vous avez les affiches de la Coupe d'Afrique. Ouais, les supporters sont là. Ils sont prêts. Ok. Les restos. Voilà, donc ici nous sommes au centre-ville. Nous sommes au centre-ville de Yamoussoukro. Comme ça là ils ont raté. Oh oh, Yako. C'est la planète. Pour vous c'est non. Le continent raté. Non, c'est trop chic. Tiens. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir Bangoulo. Calmez. Alors est-ce que c'est lui hein, qui joue en premier?